No problem, c'est Kay. Je vais l'argent par famille, et proche de moi qui est en Haïti. Récemment, je change à Sunwave parce qu'elle est plus sécurisée. Quand je vais recevoir l'argent directement dans le compte mon cash qui est élargi ou bien dans Unitransfer Cash Pickup. Et puis, plus bon bagaille, Sunwave pas charger frais de transfert. Je vais dépenser un peu l'argent, 15 à 20 dollars dans frais seulement. Donc, papa et frère, veut dire que je vais avoir plus par famille et proche de moi. On a tout changé à Sunwave pour nous voyer l'argent sans frais et en sécurité. Député de Colline, comment nous y est? Bonjour, bonjour Louko, bonjour Mateur Débat, Mabé Salio Louko, Mab Salué. Esaü qui parle là, m'a salué Pierre Martin Tatout. Oui, je voulais placer quelques mots concernant le dossier ça, Louko. Très bien. Allez-y. Bon, m'espérer, Louko, m'a salué tout pays, hein, et particulièrement tout le monde des plateau central qui généralement toujours branché émission ça. Moins interpellé, et c'est ça que j'ai souhaité placer un mot. Sous question ça. Je ne peux pas oublier, Louko, avant tout, moi, je travaille comme journaliste pendant un pile temps dans le pays ça. Et moi, j'ai été journaliste lors même que moi, pas exercé depuis quelques années pour cause d'activité politique. Mais franchement, moi-même, moi dérangé, puisque moi, t'as pas attendu depuis pratiquement 24 heures de temps que commissaire Lafontaine voyait invitation ça ou bien convocation ça. Moi, t'as attendu matin hein, que t'es gagné des associations de journalistes, ouais. Des associations de presse qui réagissent. Ouais, c'est vrai. Puisque il y a lieu, à mon sens, pour que yo pas accepté de telles dérives. À travers réseaux sociaux, par contre, si je me trompe, et matin, on t'apprend lecture ou t'abail de convocation ça, et c'est même ça qui sous réseaux sociaux et qui signe par commissaire Lafontaine. Déjà, l'on va décortiquer, l'on va analyser l'invitation. C'est comme si le commissaire est déjà condamné avant même de présenter devant. Oui, c'est clair. Puisque le commissaire du gouvernement à travers notre ça, c'est comme si il prétextait que ou outrepassé droit ou, c'est ça. D'après ça travail journaliste là il dit. Donc c'est comme si son monde qui est déjà condamné et à travers ça moi-même moi prends lecture c'est comme si son commissaire qui extrapolé puisque pas gagné un motif véritablement qui paille qui fait l'y convoquer ou devant. Donc, ça qui montrait très clairement, s'agissant de démarchage, c'est ça moi-même, moi, relé en forme de persécution sélective. Sélective, c'est clair. C'est clair que commissaire du gouvernement, ça, l'y montrait l'y gagne un problème personnel, soit avec émission Matin Débat, soit avec ou même personnellement. Louko Désir, puisque c'est en rédaction, en tout cas ça qui peut être signature le commissaire, m'a cherché pour moi de qui ça commissaire reprocher, il tout simplement parler d'un ensemble d'articles de la Constitution ou de code pénal, et puis voilà, l'imando pour présenter devant le 1er février. Donc voilà, et moi dit déjà, à travers rédaction de courrier ça, de lettre ça, de convocation ça, c'est comme si M. Lafontaine l'est déjà condamné. C'est bien. Maintenant, moi-même, moins scandalisé. Pour qui ça va me scandaliser, puisque moi, soit dit, et m'assumer, l'éclat que gagné en attaque personnelle, son forme de persécution politique. Pour qui raison? Moi-même, personnellement, comme journaliste, comme moi qui fait des études de communication, moins toujours, quelque part, reprocher de propos excessifs de en série de confrères
dans la presse. Ouais. Très honnêtement, et ouais, c'est ça qui permet de prendre un problème personnel avec Louko. Parmi toute émission, les tribunaux de commentateurs, moi, je crois que moun qui employons ces deux propos excessifs, Louko, loin, mais très très loin, derrière une série de journalistes qui employaient de propos excessifs. Or, aussi paradoxal que cela puisse paraître, moi, pas ouais, commissaire gouvernement ça, ou bien la justice, jamais convoqué ni invité Mounsa. Son premier interrogation. Mais deuxième interrogation, moi-même personnellement, quand intervenu dans le matin des balas, et vous le savez, Louko, en pile fois, une série d'analyses, Louko fait dans le matin des balas. Personnellement, moi-même, Abel Lécoline, je suis d'accord ensemble avec vous. Oui, c'est vrai. Mais il y va de l'exercice même de la profession de journaliste, puisque il y a ce qu'on appelle un ligne éditorialiste. Correct. Moi-même, je ne suis pas d'accord avec on analyse Louko fait, mais c'est de bonne guerre, les capables, c'est ligne éditorialiste que Louko choisit. Et c'est pas sans raison qui fait dans les grandes démocraties aux États-Unis ou à CNN qui a une ligne éditorialiste ou à Fox News qui a une ligne éditorialiste ou aller en France à travers Figaro, à travers Journal Libération, bref, au Canada. Donc moi, je crois que un commissaire du gouvernement est censé au courant de questions sérieuses si c'est pas persécution politique l'a fait. C'est vrai que moi-même, moi reconnaître comme moun qui fait des études de communication, la liberté de la presse, ce n'est pas la liberté de dire tout et n'importe quoi. Oui, nous d'accord là-dessus. Toujours est-il, c'est pas le fait que ce n'est pas la liberté de dire tout et n'importe quoi, et puis pour un commissaire du gouvernement profiter pour la persécuter. Quand on approche pour te faire, lorsqu'on commence l'émission, que je ne pas fini d'accord, Louko, lorsque on dit c'est le monde qui est derrière le commissaire du gouvernement, soit qui est dans le cabinet premier ministre. Louko m'a dit, si on a un persécuteur, il s'appelle Jacques Lafontaine. Très bien, très bien. La loi est très claire. Lorsque un citoyen sent-il lésé, il peut te plaindre. Si moun sa yo ki nan primature ou bien ki nan cabinet, je ne sais quel premier ministre, yo estime que Louko Désir, comme commentateur ou te baye en information, yon ba ou menti sou yo, avec comme citoyen, yo c'est de justiciable, yo gen droit pour yo te pote plainte. Mais pa, c'est pas suite à une plainte que commissaire sa li convoko. C'est comme si, et Pierre Matin sorti lui, Pierre Matin a passé à côté, il pas dit direct, c'est que le bourreau, celui qui décide délibérément pour le persécuter Louko Désir ou ensemble de journalistes l'y convoquer, c'est le commissaire du gouvernement, puisque c'est le parquet qui lui-même prend initiative convoquer. Est-ce que lui dit c'est suite à une plainte? Non. Ouais. Si il y a plainte, côté plainte, ça, citoyen, ça, yo t'époté. Donc, voilà, moi-même, moi, ouais. Situation qui a développé là dans un moment côté pays déjà au bord du gouffre, moi je crois qu'il y a mieux à faire par ce commissaire du gouvernement. Évidemment, il est capable de rentrer dans considération qui dit effectivement est-ce qu'il est en mesure pour que la convoquer quand on sait gagner un processus de certification et que n'est pas certifié. Même rentrer là, rentrer là oui. Moi dit tout simplement au regard justement de ça qui régit fonctionnement la presse, fonctionnement de journalistes, moins déploré que gain un silence jusqu'à présent de association de journalistes, puisque il est anormal, puisque tout laisse à croire, tout laisse à penser son forme de persécution politique qui est faite là au regard de et Jean Commissaire lui rédiger question, c'est comme si lui déjà jugé, puisque le papa a fait un motif sérieux, lui en extrapolé, fait allusion dans un article que tout le monde connaît, mais qui ça le reprochait, lui pas dit
rien et commissaire n'a pas gain absolument aucun droit pour juger que ou outrepasser droit puisque a priori il n'est pas un membre de la presse, il n'est pas un journaliste ce que je sache. Donc voilà, quand même moi t'ai voulu faire remarque ça pour que, comme citoyen mais pourquoi pas comme monde qui fait politique tout comme et journaliste pour nous dire ça qu'a fait là c'est vraiment on dérive en plus et moi crois que peu importe média ou journaliste ou capable peut-être d'une ligne éditoriale pour qui différent de matin débat mais on croit que il est là responsabilité d'une forme de cohérence pour association de journalistes yo yo monter au créneau pour dénoncer ça qu'a fait là là parce que tout compte fait li inacceptable li anormal et moi-même moi qualifié comme une forme de persécution sélective à l'encontre de émission ça et de Louko Desi voilà merci beaucoup mais merci en pile et député Abel Décolline merci en pile. Alors c'est vraiment une très bonne approche de député de Colin hein. Bon. Oui. OK collègue. Collègue là dit. Ou même qui gagne longtemps aux États-Unis, ou besoin acheter un bel caille ou bien une belle machine qui n'en rêve mais tout compte passé ou gain problème crédit, avec Olivier Pierre, problème ça résoudre. Dans affaire crédit, Olivier Pierre sans pareil. Tout monde à la ronde bade aux États-Unis a cherché Olivier Pierre pour ranger crédit yo et n'importe ça ou gagne dans affaire crédit, la aidé ou. Li protéger identité ou parce que environ chaque 3 5 secondes gagne des pirates qui pirater identité monde. En plus, n'importe problème ou ta gagne tant coup. Land, medical bill, bankruptcy, public worker, tax line, judgment, foreclosure et la trier. Olivier Pierre même aidé au joint carte de crédit. Et si vous avez aimé un business aux États-Unis pour bâtir propre LLC PAU ou bien bâtir business crédit à et joindre l'argent pour capable faire business, Olivier Pierre, c'est mes crédit à et c'est moi crédit à nos dossiers ça. Ou même qui besoin assurance de vie, assurance santé, Obamacare. Sans t'en chercher à ou joindre ligne. C'est vrai, Olivier Pierre qui a adresse ligne dans Pompano Beach, Florida. Mais pour même qui vivent dans l'autre state, pas inquiété ou. Parce que tout ça d'assurance que vous besoin, Olivier Pierre ka aide ou dans tout état ou yé dans États-Unis. Ou bien problème, ou pas ka payer assurance, ou bien ou pas gen assurance de vie. Ou pas contre si vous jouen l'argent, dans assurance ou payé. Olivier Pierre ka aide ou jouen l'argent, ak même assurance ou payé. Pour question rempli taxe même, Olivier Pierre c'est seul agent qui pas plagon dans problème ak tout ça. Visitez Olivier Pierre dans 750 East Simple Road, Building 3, 240, Pompano Beach, Florida, 33064. C'est ça que fait, pas perdre du temps. Rele Josia même. Dans 954-328-7499. Avec Olivier Pierre, tout problème crédit résoudre.